Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, toute initiative qui met l'accent sur le rôle positif de la migration me semble à encourager sans hésitation. En effet, ce sujet est en permanence hystérisé, alors qu'il mériterait un débat politique apaisé. C'est le cas avec la carte bleue européenne qui va faciliter l'accès au travail dans l'Union européenne pour les travailleurs étrangers hautement qualifiés. Et si on ne peut pas dire que le débat fut apaisé, disons au moins qu'il a été long, si j'en crois la date de démarrage des discussions et leur aboutissement au bout de 5 années. Mais cette étape est bienvenue dans la construction d'une politique européenne respectueuse des droits individuels et ouverte aux défis du présent en matière de migration de travail, vous l'avez rappelé, Madame la Commissaire. Car la migration, bien que combattue violemment, caricaturée et manipulée dans certaines formations politiques, est une réalité démographique, économique et humaine incontestable. Nous devons garder également à l'esprit qu'avoir plus de voies légales, c'est casser le business plan des passeurs. Plus tôt cette année, le Parlement européen a adopté mon rapport qui reconnaît qu'ouvrir des voies légales pour les travailleurs migrants contribue à réduire les flux irréguliers et peut aider nos sociétés à aborder le manque d'actifs. Chers collègues, j'en appelle à vous pour montrer le même soutien aujourd'hui à cette directive dont les débats ont été conclus avec talent par Javier Moreno-Sanchez. C'est une question de bon sens et d'humanité. C'est aussi une question économique et sociale pour protéger tous les travailleurs, européens ou non, moins bien rémunérés et plus exposés au risque d'exploitation. Merci.